Alors imaginons que tu as une pâtisserie et que ta spécialité c'est les tartes aux cerises, mais simplement tu as remarqué que parmi toutes les tartes aux cerises que tu fais, certaines ont beaucoup de cerises, d'autres beaucoup moins, enfin le nombre de cerises varie beaucoup selon les tartes que tu fabriques. Donc ça c'est quelque chose qui t'interroge, tu voudrais en savoir un petit peu plus là-dessus, tu voudrais savoir pouvoir dire combien il y a de tartes avec plus de 100 cerises par exemple, combien il y en a qui ont moins de 50 cerises et ainsi de suite. Voilà, c'est à ce genre de questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et pour ça, on va utiliser l'histogramme qui est donné ici qui représente la répartition des cerises sur les différentes tartes. Alors, pour réaliser cet histogramme, en fait, c'est assez simple. Ce que tu as fait, c'est prendre toutes les tartes de ton magasin du jour, par exemple. Donc là, je vais essayer de dessiner une tarte aux cerises. Donc, c'est peut-être pas très joli, voilà. Ça, c'est une tarte aux cerises. Il y a plusieurs cerises dessus et pour chaque tarte, tu comptes combien il y a de cerises dessus. Donc là, par exemple, sur cette tarte, j'en ai dessiné 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, je dessine plein. Disons que tu les comptes toutes et que, par exemple, sur celle-là, tu as trouvé qu'il y avait 32 cerises. Tu fais la même chose pour toutes les tartes que tu as dans le magasin. Et maintenant, tu vas répartir tous les nombres de cerises que tu as obtenues en certaines catégories. Parce que bon, ce n'est pas très intéressant de regarder combien de tartes ont exactement 32 cerises. Hein. Ce qui va être plus intéressant, c'est de regarder combien de tartes ont entre 0 et 30 cerises, par exemple. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. On a créé des catégories de 30 en 30. En fait, en statistique, ces catégories, on les appellera plutôt des classes. On dira qu'on a réparti les cerises en différentes classes. Ici, dans la première catégorie, on a les tartes pour lesquelles il y a entre 0 et 29 cerises, donc là il n'y en a aucune, hein, qui a si peu de cerises que ça. Ensuite la deuxième catégorie c'est les tartes pour lesquelles il y a entre 30 et 59 cerises, ensuite entre 60 et 89, ensuite entre 90 et 119, et puis la dernière catégorie c'est entre 120 et 140 cerises. Et puis ensuite cerises. pour chaque catégorie, voilà, c'est une des tartes que j'aimerais bien avoir avec plein de cerises dessus. Donc ça c'est la, la répartition que tu as choisi de faire en groupes, en catégorie tu regardes combien tu as trouvé de tartes pour lesquelles le nombre de cerises appartient à cette catégorie. Donc par exemple ici, on peut lire que tu as trouvé, alors là cette hauteur là, c'est 5. Donc tu as trouvé 5 tartes qui avaient entre 30 et 59 cerises. Ensuite, bah, tu as compté combien il y avait de tartes qui avaient entre 60 et 89 cerises, puis combien il y avait de tartes avec entre 90 et 119 cerises. Et enfin, Combien y avait de tartes avec entre 120 et 149 cerises Voilà, et ça te donne cet histogramme-là. Évidemment, là, ça suppose que tu n'as pas trouvé de tartes avec plus de 149 cerises, sinon il faudrait les représenter ici. Voilà, donc ça, c'est la manière de faire un histogramme qui représente nos données. Et maintenant, on va pouvoir se poser plusieurs questions à partir de cet histogramme. Par exemple, on peut déjà se demander combien tu avais de tartes au total ce jour-là, de tartes à la cerise. Alors comment est-ce qu'on peut trouver ce nombre total de tartes à la que tu avais ce jour-là Alors mets la vidéo sur pause pour le faire de ton côté, puis on se retrouve. Donc ici, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 5. Alors il y a ces 5 tartes ici qui ont entre 30 et 59 cerises. Ici j'en ai 8 qui ont entre 60 et 89 cerises. Donc au minimum 60 et au maximum 89 cerises. Et puis ici j'en ai 4 qui ont entre 90 et 119 cerises. Et puis enfin, j'en ai ici, alors ça, ici cette hauteur-là, c'est 3, hein, on va dire 3. Donc j'ai 3 tartes qui avaient entre 120 et 149 cerises. Et donc maintenant, si tu cherches le nombre total de tartes que tu avais examinées ce jour-là, donc c'est, je vais l'écrire comme ça, nombre total de tartes, eh bien c'est 5 plus 8 plus 4 plus 3, 5 plus 8 plus 4 plus 3, puisqu'on a les 5 tartes qui sont entre 30 et 59 cerises, les 8 tartes entre 60 et 89 cerises, les 4 tartes qui sont ici et les 3 tartes qui sont là. Donc 5 plus 8 ça fait 13, 13 plus 3 16, plus 4 20. Donc au total, il y avait 20 tartes ce jour-là. Alors ça c'est déjà pas mal, mais on peut se poser aussi des questions un petit peu plus compliquées. Par exemple, on peut se demander combien il y a de tartes qui ont plus de 60 cerises. Alors, tu peux réfléchir tout seul là-dessus. En attendant, je vais l'écrire ici. C'est les tartes avec plus de 60 cerises. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ça Eh bien, on a déjà les 8 tartes de cette catégorie-là, donc entre 60 et 89 cerises. Plus les 4 tartes qui ont entre 90 et 119 cerises. Il faut que je les compte aussi puisqu'elles ont plus de 60 cerises. Donc il faut que j'ajoute ces 4 tartes-là. Et puis enfin, il y a les 3 tartes qui ont plus de 120 cerises, entre 120 et 149. Donc il faut que je les ajoute aussi puisqu'elles ont plus de 60 cerises. Alors 8 plus 4 ça fait 12. 12 plus 3 ça fait 15. Voilà. Alors tu peux remarquer aussi que... En fait, on aurait pu calculer ce nombre total de tartes qui ont plus de 60 cerises en prenant le nombre total de tartes, donc 20, et en enlevant les 5 tartes qu'on a ici, qui sont les seules qui ont moins de 60 cerises. Donc il faudrait qu'on fasse 20 moins 5 et on retrouve ce 15 qui est là. Donc on a bien 15 tartes qui avaient plus de 60 cerises. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on peut se poser plein de questions avec ces histogrammes. On pourrait se poser d'ailleurs d'autres questions. Par exemple, on pourrait se demander combien de plus il y a de tartes qui ont entre 60 et 89 cerises que de tartes qui ont entre 120 et 149 cerises. Alors ici, on a 8 tartes qui ont entre 60 et 89 cerises, et puis on en a 3 qui ont entre 120 et 149 cerises. Donc on voit qu'on a 8 moins 3, c'est-à-dire 5 tartes de plus dans cette catégorie-là, qui ont entre 60 et 89 cerises. Voilà, en tout cas j'espère qu'avec cette vidéo tu auras compris l'intérêt et l'utilisation qu'on peut faire d'un histogramme, qui est vraiment quelque chose de très très utile.